votre place habituelle. Ok. Vous savez ce qu'on a cet après-midi, hein? Vous aviez un petit peu hâte? Oui. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter? Vous, est-ce que vous avez reconnu de vous-même les visages? Oui. 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 Alors, c'est les enchanté. Et puis le dessinateur. Voilà. Bonjour. Daniel. Et puis Mariana. Je... Voilà. C'est la surprise. L'invité surprise. Donc, si vous avez déjà des questions, parce que j'ai déjà vu des mains qui avaient envie de se lever, alors. Est-ce que tu as eu peur du virus Ebola avant de partir? C'est une question bien forte. Hein, non, parce que, comme tous les risques qu'il peut y avoir dans notre vie, il faut les connaître et savoir comment les limiter. C'est-à-dire, on connaît le virus, ok, c'est un virus qui est très dangereux, très mortel. Mais on sait aussi qu'il se transmet par contact. Il suffit de faire attention. Si on met des gants, si on met un masque, etc., on peut se protéger assez facilement. Pourquoi vous avez choisi les gorilles? Alors en fait, je n'ai pas choisi exactement les gorilles. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le sujet de recherche. Parce qu'on parlait des populations animales, et pas seulement d'un groupe de gorilles, mais vraiment de toute la population de la zone. Parce qu'il y avait du terrain. Il y a du travail en bureau, laboratoire, mais aussi sur le terrain. Parce que c'était une faune sauvage, donc des animaux sauvages, et que c'était de la faune africaine que j'aimais bien. Donc voilà, sur l'ensemble du sujet, du projet, c'est pour ça que je suis venue travailler là. Et tant mieux que ce soit les gorilles, parce que c'est sûr que c'est quand même sympa de travailler sur les gorilles. Qu'est-ce que vous avez découvert de plus important pendant votre voyage? Un des résultats intéressants qu'on a, c'est que donc vous avez vu qu'il y avait une population qui avait été touchée par une épidémie, donc avec une grosse chute d'effectifs, on était passé de 400 gorilles à peu près à 40. Et maintenant, là, depuis 2008-2010, on voit que la structure de la population, donc le nombre de groupes, de solitaires, le nombre d'adultes, d'enfants, etc., tout ça est redevenu comme avant l'épidémie. Et la bonne nouvelle maintenant de nos dernières missions, de l'an dernier, de cette année, c'est qu'en plus, les effectifs ont augmenté. Donc on n'est plus à seulement 40 gorilles, mais à 55. Est-ce que vous avez déjà vu un braconnier? Alors, je n'ai pas vu de braconniers en activité. Par contre, on a croisé des braconniers parce qu'on a même travaillé avec eux. Et une des actions qui a été menée par le parc, c'était de proposer un échange aux braconniers. Si le braconnier apportait une arme fonctionnelle, en échange, il avait un contrat de travail au parc. Donc ça a très bien marché au niveau du village. Il y a 110 personnes à peu près qui ont été recrutées comme ça, qui ont remis leur arme et qui ont eu du travail au parc. Et c'est comme ça que nous, on a travaillé avec des braconniers qui maintenant apprennent à étudier les animaux et du coup à conserver les animaux. Par exemple, des bébés gorilles, enfin plus grands, genre, je sais pas, 3-4 ans, ils peuvent nous, enfin, pas nous tuer, mais nous arracher un doigt ou je sais pas. Alors, non. Et même les gros mâles adultes, qui sont très costauds, très musclés, ça c'est sûr, ils peuvent t'arracher un doigt très facilement. Mais sauf qu'il ne le fera pas. Parce que les gorilles, ils ne sont pas méchants, hein. Ils sont même très pacifiques. Et même entre eux, ils ne se battent pas. Par contre, tout va passer sur de l'intimidation. Donc ils font le fameux, ce qu'on appelle en anglais le chest beat, quand ils se tapent sur la poitrine comme ça. Donc il y a ça déjà. Alors voilà, d'ailleurs, tu remarqueras que quand on le montre, on fait tous comme ça. Mais lui, il fait comment? Comme ça, il fait comme ça. Voilà.
Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui fait que ça fait du bruit quand il fait ça? Oui, vas-y. La graisse qui claque. La graisse? Oui. Alors attends, on va te montrer de ces gorilles, tu vas me dire s'ils sont plutôt gros ou graisseux ou gros muscles. Gros muscles. Il faut qu'il dégèle. Et donc, alors est-ce qu'il y a d'autres idées? Ah, on commence à toucher le but. Donc l'idée, c'est que, un peu comme un tam-tam, il y a la peau qui est tendue sur de l'air. Donc c'est pas les poumons, mais c'est des sacs vocaux. Donc il y a des sacs pleins d'air, effectivement, qui peuvent taper dessus, et ça résonne comme un tam-tam. Et pourquoi ils font ça? Pardon? Pour dire c'est moi le plus fort. Oui, parfois oui. Pour se parler. Aussi, oui, voilà. Donc, on pense toujours que c'est surtout pour intimider l'autre. Mais en fait, et là, Céline, elle a une belle histoire. Je ne sais pas si tu veux tout de suite. Oui, par exemple. Alors, du coup, la petite histoire du petit gorille perdu. Alors, il était une fois. un groupe de gorilles qui était là sur la clairière. Qui s'alimentait, donc qui mangeait des herbes, qui mangeait un peu de terre aussi, parce que la terre est riche en sel, donc il la mange aussi. Et puis finalement, le groupe petit à petit s'en va en forêt. Et puis une demi-heure plus tard, on entend justement le bruit. Donc ça, on entend, alors, je ne sais jamais les chiffres, mais à plusieurs kilomètres. Hein. C'est un bruit qu'on peut entendre en forêt à plusieurs kilomètres. Et donc on l'entend. Et une minute après ça, on voit arriver sur la clairière un petit gorille, un petit juvénile, qui regardait partout. Et en fait, c'était un juvénile de ce groupe qui était parti déjà en forêt. Et il était là sur la clairière, il regarde partout, mais le groupe, il était parti. Donc il cherchait. On pouvait se dire, entre guillemets, ben mince, ils m'ont abandonné. Et puis finalement, il a vocalisé, donc il a parlé avec sa bouche. Et puis, on a re-entendu le père en forêt, qui faisait ce bruit-là. Et finalement, donc, le petit gorille est reparti en forêt. Et bon, on peut espérer qu'ils se sont retrouvés. Ah oui, est-ce que quand tu étais à observer les gorilles, est-ce que tu en as déjà vu une grande famille, enfin... Oui, je pense que le groupe le plus grand que j'ai vu devait avoir 21 gorilles. Et il y avait des dos argentés? Et il y a toujours un dos argenté. Oui. Et donc avec lui, il y a plusieurs femelles adultes, plus leurs enfants. Celui-là, là... Sergio, c'est un mâle doux argenté que tu estimais à 30 ans à peu près. Là, voilà, une trentaine d'années. La femelle choisit les mâles qui sont plus musclés, qui ont une crête sagittale, donc c'est la bosse qu'ils ont ici. Donc ça, c'est les mâles adultes aussi, ils ont le dos argenté, mais ils ont aussi cette bosse derrière la tête, c'est une bosse de graisse. Donc les femelles préfèrent quand la crête sagittale est la plus développée, la plus grosse. Et aussi s'ils n'ont pas de taches de maladie ou quoi sur la peau. Est-ce que vous arrivez à les reconnaître certains? Ah, ouais. Et c'est même ça le métier finalement, pas le métier. C'est ça l'objectif de la mission. C'est d'arriver, de les observer. Ça c'est facile, on arrive au Mirador, on les observe. Ok, très bien. Mais sauf que pour avoir nos données, pouvoir faire nos analyses après et faire notre recherche, il faut qu'on les identifie chaque gorille. On va voir si vous saurez reconnaître un gorille. Donc ça, c'est quelques critères qu'on utilise. Alors, le principal, c'est par rapport au visage. Mais bien sûr, on regarde tout le corps. Et ensuite, les caractéristiques générales sur le visage, ça va être la forme de l'arcade. Voilà, donc on voit la différence entre les deux. Là ça fait un Y, là ça fait des petites fossettes sur les narines. La forme de l'arcade. Ah, c'est ça. Donc là c'est différentes formes aussi. Voilà, ensuite ça va être des petites... Alors veines, on parle courant, c'est du langage courant on va dire.
des petits traits comme ça qu'ils peuvent avoir sous les yeux. La crête sagittale est développée ou pas du tout, etc. S'ils ont des blessures, etc. Bah alors maintenant, nous, avec Mariana et Daniel, on va se tourner. On ne regardera pas l'écran. Parce que c'est vous qui allez nous décrire un gorille. Votre maîtresse, elle va vous montrer une photo. Alors on ne regarde pas, je vous leur montrer une photo. Ouais, elles connaissent les noms, moi je ne les connais pas. Donc... Voilà, c'est bon, tout le monde a bien vu la photo. Oui. Alors maintenant, à vous de nous décrire le gorille et il faut qu'on reconnaisse celui qui a été choisi. Alors vous dites tous ensemble, on va essayer de... Il a un nez en forme de cœur. Alors un nez en forme de cœur. Il a une bosse. Une bosse sur la tête. Il a un sourcil de... Enfin, des sourcils de... Comment on met le sourcil? Il a une arcade. Il a une arcade, d'accord. Une arcade, pas rectangle. Il a des veines. Alors des veines sous les yeux. L'arcade, elle a quelle forme? Elle est comme ça plutôt qu'être comme ça. Elle n'est pas droite, elle est un peu comme ça. On dirait qu'il boude et qu'il regarde en bas. Voilà. Alors, par exemple, une caractéristique comme ça, ça va pas m'aider à l'identifier. Parce que là, je peux reconnaître la photo, mais si je le vois en vrai, il aura peut-être la tête levée. On dirait qu'il boude. Il ne bougera plus. Mais non. Bah alors moi, je pense que c'est celui-là. Oui. Bah alors ça, c'est la surprise de Daniel. Vous avez remarqué que les gorilles, c'était, si on les mettait debout, c'était plutôt des bestiaux qui étaient plutôt courts sur pattes et avec de longs bras. Ok. Alors, le métier de dessinateur, c'est d'abord observer. Donc par exemple, on a parlé des crêtes sagittales, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou des arcades. Donc en fait, c'est une bosse de graisse qu'ils ont sur le crâne, comme ça, et qui va être importante chez le mâle adulte. Et puis après, là je vais faire les arcades. Ça veut dire qu'il a un peu les ombres, les yeux à l'ombre, hein, dessous. Et puis, à un moment donné, il va y avoir des yeux quand même. Pas l'habitude de dessiner ça avec le tableau. Il est trop fait. Donc on place les narines. Et puis on constate aussi qu'ils ont souvent des pommettes, oui, assez développées quand même, par rapport à nous. Et ils ont plein de plis aussi sous les yeux. Enfin, ils ont la peau un peu plissée. Après, parler de veines ou de plis dans la peau, bon, ben voilà, ça c'est des critères aussi. Vous voyez, elles les utilisent, les deux scientifiques les utilisent pour se reconnaître les singes, les gorilles, mais moi je m'en sers aussi comme des critères pour dessiner comme il faut, quoi. Ce qui m'est épaté chez Céline, c'est qu'elle voit arriver un gorille sur la clairière. Moi j'ai pas encore réussi à regarder la couleur de ses yeux, qu'elle sait déjà comment il s'appelle. Ben, ça veut dire que j'ai déjà observé ses caractéristiques, la forme de son visage, etc. et j'ai déjà réussi à l'identifier. C'est un peu triste, hein, comme d'habitude. Ah, je crois que j'ai touché ta main. J'ai une question. Vous y retournez quand, là, au Congo? Alors pour l'instant, c'est pas... Enfin, on va y retourner, c'est sûr, parce que si on veut continuer nos recherches, il faut continuer à aller chercher des objets sur le terrain. Mais il n'y a pas encore de mission de programmer, parce que pour faire nos recherches, il faut aussi des financements, donc de l'argent pour financer les missions, les recherches, etc. Donc il faut qu'on trouve des nouveaux financements pour relancer tout ça. Mais dans tous les cas, nos recherches, on étudie les populations sauvages dans le milieu naturel. Donc si on veut continuer nos recherches, il faut continuer à aller sur le terrain et les observer. Puis bon, là c'est rapide, hein,
Bah, rapide mais bien fait. Mmh. Ah, voilà. Ouais. Là, je suis pas très content, mais je suis jamais content. Jamais content. Nous, on est très contents. On aimerait bien avoir un chacun. Bah, on va l'imprimer, je l'imprime. Je peux l'imprimer du tableau. Oh, ouais. Ah, allez, j'ai un photographe.